Durant mon séjour aux Antilles, j'ai eu l'occasion de voir des contacts très étroits avec des linguistes, notamment Jean Bernabé, qui est maintenant décédé, qui était l'un des grands créolistes français. J'ai eu l'occasion également de rencontrer des écrivains, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant. Et donc j'ai perçu toute l'utilité que la littérature pouvait revêtir pour l'anthropologie. Lorsque l'on considère par exemple un ouvrage comme Texaco de Patrick Chamoiseau, on voit qu'il se livre là à une véritable œuvre d'anthropologie urbaine, extrêmement intéressante de ce point de vue. De même, la littérature permet de sonder le passé. Et Glissant parle d'ailleurs en la matière d'une vision prophétique du passé. Il y a tout un débat qui s'est déroulé à une certaine époque que l'on a appelé la querelle de l'écrivain et de l'historien. Dans la mesure où, certes, l'historien est là pour établir des faits dans leur véridicité, alors que l'écrivain, lui, il parle souvent des mêmes périodes, mais d'une autre manière, en comblant en quelque sorte les trous laissés vides par l'historien du fait des lacunes de sa documentation, et en ayant justement ce qu'il appelle cette vision prophétique qui permet finalement de profiler un passé, et un passé donc qui soit en quelque sorte le plus fidèle possible à ce qu'il a pu être. Même si on n'en a pas les preuves historiques, mais il n'empêche que ce passé a dû exister de cette manière-là, même si les voix qu'il portait se sont depuis éteintes. Voilà, donc ça m'a beaucoup intéressé, et en plus, si vous voulez, j'ai fait aussi la découverte d'un écrivain haïtien qui s'appelle René de Pestre. Et René de Pestre, il m'a intéressé parce qu'il développait une vision tout à fait intéressante de l'identité. L'un de ses ouvrages s'appelle, de manière très révélatrice, « Bonjour et adieu à la négritude ». Alors, « Bonjour et adieu à la négritude », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il accepte, bien sûr, la notion de négritude telle que Aimé Césaire avait pu la développer, parce que ça correspond évidemment à un moment historique important. Il fallait en quelque sorte que la dignité de l'homme noir, là où elle avait été foulée, se redresse. Hein, et c'est tout le sens d'ailleurs du projet césarien. Mais en même temps, il pointait les dangers de persister dans une telle attitude, dans ce qu'elle peut avoir d'essentialiste, c'est-à-dire de repliement sur une identité unique, une identité noire qui ne serait pas ouverte vers le reste du monde. Donc pour lui, c'était très très important, si vous voulez, d'insister sur cette manière de concevoir la race comme quelque chose de particulièrement arbitraire, de construit, qui a été imposé à un certain moment de la colonisation, qui a pu être réapproprié par ceux qui avaient été victimes, mais dont il faut par contre sortir dans la mesure où, pour De Pestre, il y a une visée très importante vers l'universel. Alors je me suis rapproché de René De Pestre, j'ai pu avoir de longs entretiens avec lui, une première série d'entretiens est parue dans la revue Gradiva, un numéro spécial qui avait été consacré à Haïti. Et puis, j'ai mené avec lui un entretien au long cours, qui a duré, là pour le coup, des jours et des jours, et qui m'a permis de mettre au point, finalement,
son autobiographie intellectuelle. Une autobiographie intellectuelle que j'ai mis en forme avec un appareil critique important pour un petit peu éclairer tous les éléments et tous les personnages qu'il cite. Un ouvrage qui est paru donc chez Odile Jacob, et il fallait lui trouver un titre, et René de Pestre hésitait beaucoup quant au titre, et puis finalement il a choisi un titre, avec un certain clin d'œil à un autre ouvrage, Bonsoir tendresse, dans la mesure où pour lui, la notion de tendresse est tout à fait centrale, si l'on veut appréhender justement les valeurs humaines. Et dans ce livre, bien sûr, il raconte sa vie, une vie absolument passionnante. C'est un intellectuel haïtien qui est né en 1926, qui a traversé le siècle. Qui a traversé le siècle de manière, je dirais, souvent un petit peu marginale, mais en même temps extrêmement engagée. Il débute sa vie politique à la fin des années 1940. Excusez-moi. Oh, il faudra couper ça. Il est où le téléphone? Il est là. Vous êtes attaché. Vous le coupez, voilà. Bon, ça va. Bon, alors je reprends là où j'en étais. Ça tourne. Ça tourne. Donc, il débute sa vie politique en participant à une révolte d'étudiants en Haïti à la fin des années 1940. Une révolte d'ailleurs qui aboutit à un changement de président. Le président de l'époque est obligé de partir et il est remplacé par un autre. Les militaires d'ailleurs profitant en quelque sorte de cette révolte d'étudiants pour procéder à cette modification de président. Et sur ces entrefaites, on l'éloigne d'Haïti, et il part en France. Et en France, donc, il va faire des études. Il va donc vivre à la cité universitaire. Il va connaître énormément de gens. Il va frayer avec tout ce qu'il y a d'intellectuels engagés de l'époque, notamment au Parti communiste. Et à un certain moment, donc, après avoir fait la connaissance de son épouse, qui est elle-même juive, il est expulsé de France. Alors, à l'époque, être expulsé de France, ça voulait dire qu'il fallait se réfugier de l'autre côté du rio de fer. Donc, il est réfugié politique en Tchécoslovaquie. Bon, alors en Tchécoslovaquie, en fait, ça va pas très bien se passer. Parce qu'il a un tel sentiment, une telle soif de liberté, qu'il ne peut pas supporter le régime stalinien. Donc très vite, il va partir. Fort heureusement pour lui, il rencontre en Tchécoslovaquie, lors d'événements qui étaient organisés par le régime, il rencontre Pablo Neruda, dont il devient secrétaire, puisque Pablo Neruda lui dit, eh bien, écoute, je vais te faire venir au Chili et tu vas donc devenir mon secrétaire. Préparer d'ailleurs une grande rencontre qui a été la rencontre de la tricontinentale. Et donc il part au Chili, il reste plus d'un an et ensuite il part au Brésil. Au Brésil, il rencontre un autre grand nom, Jorge Amado, avec lequel il entretient des liens très étroits. Et au bout d'un certain temps, il va revenir en France, parce que son interdiction de séjour a été levée finalement. Il revient en France. Il a, à un certain moment, une sorte de, je dirais pas de querelle, mais de confrontation avec Aimé Césaire, à propos donc d'Aragon. Lui, à l'époque, est dans une perspective de communisme un peu orthodoxe, il faut bien le dire. Il défend donc la vision poétique d'Aragon contre Césaire.
Césaire, lui, qui est beaucoup partisan de se détacher de ce carcan. C'est l'époque d'ailleurs où Césaire écrit sa lettre à Maurice Thorèse, où il décide de rompre avec le Parti communiste français. Ce que ne fait pas à l'époque de Pestre. Et il y a tout un poème de Césaire qui contient les vers suivants. Foutant de Pestre, foutant, laisse dire Aragon. Pour vous donner la tonalité de ce texte. Bon, il va finalement, au bout d'un certain nombre d'années, revenir en Haïti. Mais en Haïti, il ne va pas non plus y rester très longtemps parce que c'est l'époque où Duvalier prend le pouvoir. Duvalier prend le pouvoir et ça va aller très mal pour lui. Et il décide donc de quitter l'île. Et c'est l'époque où Castro est en train de prendre le pouvoir à Cuba. Et donc il part à Cuba. Et à Cuba, il va devenir un Cubain de plus, comme dans la formulation de l'époque. C'est-à-dire qu'il va participer à la révolution cubaine pendant plus d'une dizaine d'années. Mais là encore, la désillusion est au rendez-vous, parce qu'au bout de 10 ans, il se rend compte que la liberté est brimée, que certains intellectuels sont persécutés, notamment au moment de l'affaire Padilla. Et donc, au bout de 10 ans, il se met en retrait par rapport à ses activités militantes à Cuba. Il va y rester quand même un certain nombre d'années. Et puis pour finir, il va partir de Cuba, rejoindre la France. Et c'est en rejoignant la France, donc, il devient fonctionnaire de l'UNESCO. Il va terminer sa vie active. Et c'est là où il entame véritablement sa carrière littéraire. Avec ce roman auquel je faisais allusion tout à l'heure, Adriana dans tous mes rêves, qui a eu le prix Renaudot en 1987 ou 88, je ne me rappelle plus exactement. Donc, une œuvre littéraire importante à partir de ce moment-là, et puis bien sûr, des considérations sur l'identité raciale, qui m'intéressait énormément dans la mesure où, pour lui, l'identité raciale correspond à une mascarade. Hein, une mascarade dont il faut absolument se dégager. D'où, si vous voulez, cette partie importante dans l'introduction que j'ai faite à son autobiographie consacrée à cette thématique-là. Tous ces entretiens avec René de Pestre, je les ai menés dans sa maison, puisqu'il vit maintenant retiré dans la petite ville de Lézignan-Corbière, en Languedoc. Il est devenu citoyen français. Il vit donc dans cette petite ville où il avait donc des camarades du parti qu'il avait pu connaître tout à fait au début de son séjour en France et qui lui ont trouvé cette maison et dans laquelle il vit toujours, à l'heure actuelle, retiré du monde. Mais toujours, bien sûr, intéressé par la vie intellectuelle et bien sûr par ce qui se passe en Haïti avec les catastrophes successives que ce pays a connues.